Tu te rends compte? Déborah veut qu'on lui apprenne à monter. Je sais, je croyais qu'elle détestait les chevaux. À mon avis, elle est très amoureuse, ça se voit. C'est si romantique. Ça va être compliqué de ne pas trahir le secret. T'imagines? Vous croyez que Max va se douter de rien si Déborah apparaît galopant sur le dos d'un cheval? Rassure-toi, je crois pas qu'elle galopera tout de suite. Et c'est une mauvaise idée de lui mettre un bandeau sur les yeux. Tout ce que j'ai appris ce jour-là, c'est comment tomber sur la tête. Je crois qu'on va faire tout le contraire de ce qu'on t'a appris cette fois-là, Lisa. Salut les filles. Lisa, j'ai invité cette jeune fille si charmante qui est au pain creux. Elle va rester ici jusqu'à ce que ses parents reviennent. Alors range un peu ta chambre, chérie. Quelle fille? Veronica Angelo. Je veux que tu la traites comme une sœur. C'est une blague! Maman, s'il te plaît, arrête de ranger mon bureau. J'ai une organisation particulière. Oh oui, je vois ça, une organisation particulière. Ce n'est pas ça que tu cherches par hasard? Si, merci. Un ami me l'a confié pour la garder. Oh oui, bien sûr. Qui? Qui? Quoi? Arrête ta comédie, Max. Je trouve ça merveilleux. Réellement? Bien sûr. Rassure-toi, vous formez un couple exceptionnel. Déborah est brillante, drôle et très jolie. J'ai fait une réservation dans son restaurant favori. Je pense que je vais faire ma demande ce soir. Oh, depuis que j'attends de t'entendre dire ça! Et si jamais elle refusait, j'aurais l'air ridicule. Oh! Si mes parents ne faisaient pas repeindre toute la maison, je serais restée toute seule comme d'habitude. C'est encore pire qu'un séjour au camping. Je rêve où ton écran de télé est aussi grand qu'un poudrier. Si tu n'es pas contente, va dormir ailleurs. Je t'ai dit que les parents de Christy ont refusé parce qu'elle a la varicelle. Ne me dis pas que tu as aucune autre copine. Vous n'aurez qu'à dormir toutes les deux par terre. Merci beaucoup, Madame Atwood. De rien, ma chérie. Mais tu fais quoi, là? Attends, tu crois que Veronica Angelo va dormir par terre? Est-ce que je peux rester dans ta chambre cette nuit? Non, tant pis. Ça alors, en tout cas, tu as un fabuleux pouvoir anti-parasite. Ce qui est fabuleux, c'est de voir tous les cafards qu'il y a dans ta famille. Comment ça va? J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. C'est quand la première leçon de Déborah? On est supposé ne pas en parler à tout le monde, n'oublie pas. Personne n'a été mis au courant. J'entends tout ce que vous dites, vous savez. Tu n'as pas à écouter notre conversation. Dites, franchement, vous croyez que vos secrets de gamine m'intéressent? Vous me rabaissez. Il vaut mieux qu'on aille parler dans un endroit où on sera tranquille. Avec joie, mais ma mère m'a interdit d'aller quelque part sans emmener ma grande amie de toujours. Mais si ta mère l'apprécie à ce point, c'est elle qui devrait la sortir tout le temps. Oh, ça va, allez-vous-en. Non, mais vous imaginez la honte d'être vue en public avec vous. On discutera au club. Là-bas, on ne risque rien. Où allez-vous? Elles vont toutes au pain creux. J'aimerais tant pouvoir les accompagner, mais votre fille ne veut pas que j'y aille. Lisa, quelle drôle de manière de traiter notre invitée. C'est intolérable. Je veux que tu fasses des excuses à Veronica sur le champ. Déborah! Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Rien, c'est juste que... Enfin, c'est pour te voir. Tu es impatiente d'être à ce soir, hein? Ce soir? Oui.
Nous avons un dîner tous les deux. Oh non, j'avais complètement oublié. Oh pardon, je suis désolée. J'ai un truc important à faire. Vraiment, je suis désolée. On peut y aller demain peut-être, t'es d'accord? Demain, bien sûr, oui, peu importe. Est-ce que ça t'ira? C'est très bien, ouais. À tout à l'heure. Bah, elle est où ton invitée? Dans le salon, accrochée à son portable. Pour un début, c'est pas trop mal. C'est tout à fait normal. Moi, c'était pire que ça. Non, franchement, c'est bien. Je crois que vous risquez d'avoir besoin de quelques leçons en plus. Mais il faut que je sache monter pour samedi. Ça va faire court. Aucun problème. Le samedi de Noël ou le samedi de Pâques? On aura largement le temps. Vous y arriverez. Qu'est-ce que t'écris encore? Cher journal, la méchante Véronica m'a encore créé plein de problèmes. Mais c'est vrai, pourquoi t'es tout le temps méchante? Tu n'as aucune envie d'être vue en public avec nous. Alors explique pourquoi tu as fait cinéma devant ma mère. Il fallait que je fasse un petit truc pour m'occuper. C'est pas facile, je m'ennuie à mourir dans cette maison. Alors, est-ce que tu as réfléchi à ce que tu allais lui dire ce soir? On a repoussé le dîner à demain. Et non, je pensais lui passer la bague au doigt. Oh, j'espérais que tu allais faire une demande plus originale. Après tout, il s'agit d'un moment qui restera à jamais gravé dans vos souvenirs. Merci, maman. Grâce à toi, j'ai encore plus la pression. Je ne cherche pas à te rendre nerveux, je veux que tu fasses les choses bien. Mais n'insiste pas. Comprends-moi, je suis ravie qu'elle soit ma belle-fille. J'ai peur que tu bousilles tout. J'imagine ce qu'a enduré papa quand il t'a fait sa demande. Oh, ton père. Il avait tellement le trac que la sueur ruisselait de son front. Du coup, il était mort de faim, alors j'ai dû finir sa demande à sa place. Oh, super. Oui, très rassurant. Je suis sûre que tu peux faire mieux. Que vous pouvez la réveiller? J'ai vraiment besoin de lui parler. S'il vous plaît, Madame Cavano, c'est vraiment important. D'accord. Oui. Non, dites juste à Christy que je la rappellerai demain. Je rêve que Max demande à Véronica de quitter le pain creux. Tout ce qu'elle aime faire, c'est flirter avec Phil et nous narguer avec les tenues d'équitation qu'elle s'achète. Je crois qu'elle se fiche complètement des chevaux et même du sien Garnett. Il n'y a rien d'étonnant à ce que tout le monde la déteste. On dirait que je ne suis pas la seule à être critiquée, hein, Lisa? Les filles, si on fait travailler Déborah dans la carrière, Max va à tous les coups s'en rendre compte. On pourrait l'emmener plus vers la vallée. Elle a assez travaillé à la longe, il faut qu'elle apprenne. Oh, alors comme ça, Lisa, tu détestes quand ta chère amie Carole fait sa madame je sais tout? Quoi? Ça te rend folle quand, et je te cite, Carole pense qu'elle sait tout sur tout et elle veut toujours avoir le dernier mot. Je ne sais pas quoi. Et Stéphanie est trop impatiente. Et c'est quoi l'autre mot que tu as utilisé? Ah oui, et insensible. C'est vrai, Lisa? Bien essayé, Véronica. Lisa n'aurait jamais dit des trucs pareils sur nous. Tu as lu mon journal? Alors c'est vrai, tu as écrit toutes ces méchancetés? C'est vraiment ce que tu penses? Non! Comment dire? Je l'ai écrit dans mon journal, mais personne n'est censé le lire. C'est personnel. Oui. Je voulais pas, croyez-moi. Si tu l'as écrit, c'est que tu le penses. Dis pas le contraire.
de mauvaise humeur le jour où j'ai écrit ces trucs. Dis ça à Carole, puisque je suis trop insensible pour comprendre. Stéphanie! Non, te fatigue pas, c'est pas la peine, je sais déjà tout. C'est l'heure d'y aller. Ta mère nous attend devant l'entrée. Comme si c'était pas déjà assez difficile de partager ma chambre avec toi. Je viens de perdre pour toujours mes deux meilleurs amis. Comment je saurais ce qu'est l'amitié, puisqu'aucun membre du Pincrone ne veut être mon ami d'après ton journal intime, t'as pas oublié? Où est Lisa? C'était la seule à m'encourager. Elle ne pourra pas venir. Appuyez sur les étriers. Ça va mieux vous équilibrer et ne regardez pas par terre. Ça va prendre un temps fou. Non, t'inquiète pas. Il faut juste qu'elle se détende. Arrêtez de serrer les genoux! Comment tu veux qu'elle se détende? Tu la critiques tout le temps, c'est normal. Elle doit être prête pour samedi. On n'est pas sortis de l'auberge. Oh, Stéphanie! Tu as raison. Soyons réalistes, je n'y arriverai jamais. Si vous y arriverez, faites-nous confiance. C'est bien. C'est mieux qu'il y a quelques jours. Oh! Tout le monde sait que ce n'est pas mon truc. J'ai essayé, c'est l'essentiel. Mais vous y êtes presque. Merci, les filles. J'apprécie ce que vous avez fait, mais il vaut mieux arrêter là pour éviter les drames. Je suis Veronica Angelo. J'essaie de joindre mes parents. Oui. Mais ça fait 3 fois déjà que j'appelle. Vous leur avez transmis les autres messages? Je sais ça, mais je pense qu'ils ne les ont pas reçus. Bon, bah vous leur direz. Dites bien qu'ils appellent, c'est vraiment très urgent. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, l'intimité. C'est comme quand tu as lu mon journal. C'est encore ma chambre, et ce n'est pas mon problème si tu as nulle part où aller. Jusqu'à ce que tes parents viennent te chercher, tu restes de ton côté et je reste du mien, d'accord? Parfait. Bonne journée, Madame Atwood. Au revoir, les filles. Tu n'es qu'une hypocrite. Toi, tu fais semblant d'être l'ami de tout le monde et dans ton journal, tu en penses du mal. Comment vont les camarades de chambre ce matin? Bien. Je vois que le fait d'être ensemble sous le même toit ne vous a pas rapproché pour autant. Je crois que ma mère s'amuse à me torturer. Mais d'après moi, elle essaie de te faire voir à quoi ressemble la vie de cette pauvre Veronica. Imagine que tu sois fille unique. C'est mon rêve. Non, ça je l'ai compris déjà. Imagine que tes parents décident d'aller en vacances et qu'ils te laissent seule avec quelqu'un qu'ils payent. Je parie que ça ne te ferait pas très plaisir. Je me sentirais abandonnée. Ta maman vient de me dire que ses parents l'avaient déposée sans l'accompagner jusqu'à la porte de chez vous. Et ils n'ont pas téléphoné pour savoir comment elle allait. Je sais. Et tu lui as bien fait comprendre tout ça. Et qu'elle n'était pas la bienvenue dans ta maison. Et qu'elle ne deviendrait jamais une de tes amies. Ça ne donne pas vraiment envie d'aller vers les autres, tu ne crois pas? T'es obligée d'aller mieux, viens tout de suite. Je sais que t'es très contagieuse, mais je préfère être malade que de rester avec Lisa. Attends, non, attends, Christy. Oh. Elle est toujours pas guérie. Je sais que tu vas pas être contente, mais on va rester ensemble. Véronica! Écoute, on n'a pas vraiment fait d'efforts pour s'entendre, d'accord? Je ne t'aime pas, et tu ne m'aimes pas.
Pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts? Je sais, mais je crois deviner ce que tu ressens. Aujourd'hui, mes deux meilleures amies ne me parlent plus. Et je ne me suis jamais sentie aussi seule. Ce n'est pas moi qui ai demandé à dormir chez toi toute une semaine. Et toi et tes petites copines adorées... Je sais, oui, on t'a complètement exclue. Désolée. Oui, enfin, ce n'était pas très gentil de ta part. Bon, lire ton journal, c'était pas très gentil non plus. Mais aussi, quelle drôle d'idée de l'avoir laissé traîner sous mon nez. Ça n'a plus d'importance. Carole et Stéphanie ne m'adressent plus la parole. Je suis à peu près sûre qu'elles adoreraient la partie où tu as écrit à quel point tu les trouves formidables. Oui, c'est vrai, j'admets que ce qu'elle a écrit était méchant. Mais tu sais ce que je crois? Que Lisa n'aurait pas voulu que Déborah laisse tomber. Ça, c'est clair. Elle est tellement positive. Oui, à part quand elle écrit dans son journal intime des trucs sur nous. Oui, t'as raison. Mais comment elle a pu écrire toutes ces méchancetés? Ouais, c'est vrai. Mais elle n'a pas eu tort sur tout. C'est vrai que des fois, je ne réfléchis pas avant de dire quelque chose. Et les gens pensent que je suis... insensible. Oui. Tu comprends? Si je n'avais fait aucun commentaire hier, Déborah aurait continué. Elle a arrêté parce que j'ai fait ma Madame Je sais tout encore une fois. Salut. 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 Est-ce que vous avez une seconde? J'aimerais vous montrer quelque chose. Je me suis dit que, quitte à lire mon journal, vous devriez peut-être tout lire. J'avoue avoir écrit que parfois tu avais l'air prétentieux, mais... Mais c'est vrai que Carole a presque toujours raison. Je serais vraiment perdue sans elle. Quand j'ai besoin de parler à quelqu'un, je sais que je peux compter sur elle. Et Stéphanie est trop rigolote. C'est aussi une aventurière qui n'a peur de rien. Si je ne connaissais pas Stéphanie, ma vie serait beaucoup moins excitante. Dès que j'ai un problème et que je ne sais pas quoi faire, elle a toujours un plan à me proposer. Ça a souvent l'air dingue, mais en général, ça marche. Elle a un don pour me remonter le moral. C'est une personne géniale. C'est trop gentil de ta part. Attends une seconde, tu veux nous faire pleurer ou quoi? Je m'en veux de tout ça. Oh, tu n'as pas à t'en vouloir, je crois qu'on a mal réagi. Ton journal intime aurait dû rester secret. Il y a vraiment des gens sans gêne. En fait, c'est grâce à Véronica que j'ai trouvé cette idée pour qu'on redevienne amis. Pourquoi tu t'en vas? Vous allez me faire vomir à force d'écouter vos bêtises de gamine débile. Véronica, attends-moi! Ce que tu as lu dans mon journal, c'était méchant. Mais tu devrais peut-être lire le paragraphe en entier. C'est dommage que les parents de Véronica ne viennent pas la regarder monter ce week-end. Moi, je trouve que c'est une cavalière remarquable. Je serais vraiment triste à sa place. Je n'aimerais pas avoir des parents qui me délaissent tout le temps et qui se moquent de ce que je fais. C'est ça, oui. Ce que tu penses ne m'intéresse pas. Alors, vous êtes copines maintenant? Ouais, quand les poules auront des dents, peut-être. Je n'arrive pas à croire que tu lui aies fait des excuses. Elle a osé lire ton journal. Je sais, ce que j'ai fait est bizarre. Mais sous ces vestes qui coûtent une fortune, j'ai la drôle d'impression que se cache peut-être une âme humaine. Ah, oh, vous êtes là, justement, je vous cherchais. Si vous n'êtes pas trop occupée, j'aimerais essayer encore une fois de monter à cheval. Si vous me supportez encore. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes sûre de vouloir réessayer? J'ai décidé de suivre mon cœur. Que Max apprécie ce choix ou non. On dirait une vraie cavalière. Les épaules en arrière. C'est très bien. Bon. Je crois être prête. À faire quoi? C'est une surprise. Et d'ailleurs, j'aurais bien besoin d'un coup de main. D'accord. Je suis prêt. Je vais faire ma demande ce soir. Max! Rien ne pourra m'arrêter, sauf si elle dit non, je... Max! Hey, regardez qui est là, salut. J'étais en train de dire à ma mère que... le véto, oui, que le vétérinaire me coûte une petite fortune. Est-ce que je peux vous l'emprunter une seconde? J'ai une surprise pour toi.
je t'avoue que là, je suis sidéré. Ah, mais qu'est-ce que vous avez encore manigancé, les filles? En avant. Max, tu ferais mieux de la suivre. Oui, je ne pense pas que Déborah soit prête à rester toute seule. Allez. Alors, voilà pourquoi tu as tourné autour de l'écurie toute cette semaine. Je trouvais ça bizarre. Je voulais que ce soit une vraie surprise. Crois-moi, j'étais loin de m'en douter. Je te trouve très chic sur ce cheval. Merci. C'est pour cette occasion. Oh oui, une occasion importante. Ça se pourrait. Tu es mon meilleur ami. Et mon plus grand fan. Mon autre moitié. Je veux prendre le petit déjeuner auprès de toi chaque matin pour le restant de mon existence. Déborah... Oui, je sais. Je ne suis peut-être pas la cavalière de tes rêves, mais... Ah. Mais je sais aussi que... Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser? Alors seulement si tu m'épouses. Oh, cette bague est magnifique. Mais j'attends ta réponse. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'équitation de sa vie et qui fait sa demande en mariage sur le dos d'un cheval, comment pourrais-je lui refuser? Est-ce que c'est un oui? Oh oui. C'est un immense honneur pour moi d'être ton mari. Waouh ! Elle est belle ! Ça valait la peine de faire quelques petits efforts. Mais je crois qu'il n'a pas accepté pour mes talents de cavalière. En tout cas, je l'espère. Et si c'est à cause de ça, je pense qu'il va être vite déçu. Non, vous vous débrouillez très bien. Oui, on devrait peut-être continuer les leçons. Merci les filles, mais je crois que la prochaine fois, je m'essaierai à un truc moins effrayant. Peut-être bien... du parachute.